Et la Chambre territoriale des comptes recommande une gouvernance, une organisation et une comptabilité plus rigoureuse de la part des élus. La collectivité ne connaît pas le coût annuel total de la politique sociale en Polynésie. C'est l'un de ses nombreux constats dans un rapport que se sont procurés nos confrères de Radio 1. Un rapport sévère qui pointe du doigt trois ministères. Cybèle Plichard, Sandroli. La gestion de la politique sociale du pays passée au crible par la Cour territoriale des comptes. 118 pages qui recommandent une plus grande rigueur et une culture du résultat. Entre les lignes, l'agacement des équipes de contrôle. La politique sociale, éparpillée en trois ministères, ne leur a pas permis de récolter des données précises. Parmi les critiques, le schéma d'organisation sanitaire 2016-2021, jugé trop ambitieux et au-delà des capacités du pays. On nous dit la ligne directrice est trop importante, il y a trop d'actions à mener, il y a trop de choses. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup à faire, c'est tout. Et qu'on en a fait beaucoup quand même. Je voudrais rappeler qu'on a fait, en matière de santé, plus de 1100 dispositions légales pour arranger, remettre en ordre la direction de la santé. Donc, c'est pas des choses qui se font d'abord en 5 minutes, c'est pas des choses qui se font facilement, et c'est pas non plus des choses qui ne coûtent rien. Parmi les questions soulevées, la complexité de l'aide sociale, répartie entre le régime de solidarité de la CPS et les services de la DSFE. La ministre des Solidarités, en poste depuis moins de 6 mois, compte s'appuyer sur les recommandations de la CTC. Elles viendront étoffer le schéma directeur de l'action sociale 2023-2028 avec un volet à part consacré aux violences intrafamiliales. Aujourd'hui, il me semble indispensable, surtout après la crise Covid, donc la crise sanitaire et économique que nous avons traversée, de mettre en place des objectifs, une stratégie de ce que l'on veut pour le social en Polynésie sur les 5 ou 10 prochaines années. Je pense que c'est important et pour le pays, mais c'est important également pour nos équipes, pour toutes les équipes qui travaillent dans le social, notamment celles de mes équipes à la DSFE, d'avoir un vrai cap. Pour la CTC, la pandémie n'a fait qu'accentuer brutalement une situation dégradée. Le pays a dû débourser au moins 11 milliards de francs entre 2020 et 2021. L'institution critique ouvertement la contribution pour la solidarité, la fameuse taxe sociale, elle qui a toujours préconisé de prélever sur le patrimoine. Elle dénonce enfin l'absence de choix politique clair concernant la prise en charge des personnes âgées dépendantes. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.